vue cette année. D'abord, il commence par l'affiche. L'affiche qui est signée Jérôme le Reculé. Une affiche où on voit un lutin et des animaux qui débarquent sur Bercy Village. C'est tiré d'un album magnifique qui s'appelle Les animaux de la forêt, donc publié il y a quelques mois. Donc ça donne le ton, un ton joyeux, un ton de découverte, un peu enfantin aussi. Il y aura évidemment une. Comme chaque année, beaucoup de choses pour les enfants. Le mercredi, une chasse au trésor, et puis une conteuse qui raconte des belles histoires aux enfants, qui les fascinent. Également les mangas qui attirent beaucoup les enfants et les autres, avec le cosplay, avec des concours de dessin, des fanzines qui viennent, etc. Slack Junior, qui évidemment contribue également, et puis album. Voilà, au niveau des auteurs, bon, on en accueille une quarantaine chaque année, donc nous sommes fidèles à cette tradition. Évidemment, des auteurs français, des auteurs d'œuvres importantes chez nous, récentes plus ou moins, je ne peux pas tous les citer, mais ce sont évidemment ceux qui font l'identité de notre maison. Et nous accueillons aussi des auteurs étrangers, notamment des Italiens, Théo Canechi par exemple, et aussi un Australien qui a fait le voyage dans l'autre bout de la planète, Ben Temple Smith, auteur de comics extrêmement connu, qui va nous faire le privilège d'être parmi nous.